Yé là, c'est famille-là, qui j'en azote, en comptant joindre les autres à ces pages Medoukam. Jodi là, nous allons tester un nouveau format. Nous allons garder vrai ensemble, à dans le premier décatement, vie, amitié, ou béanzin. C'était wa, à ça, yoka crié Jodi là, Bénin, qui était avant, Wayon Dayoumé. Et à dans le deuxième décatement, nous allons garder vrai, morceau à film, l'exil ou à béanzin, Canal Plus fait, pour voir si c'est mouna ça respecté via Nostrum. En allée, Gbehen, Azibo, Hayijle, Aosu, Bowele, voyageur l'année 1845 et mort l'année 1906. C'est 11e mois d'Aomé. Le papa est mort 28 décembre 1889. Prince Kondo, quand il était crié, vin wa et prend nom à Gbehenzin. Il était à Citronaï depuis 6 janvier 1890, jusqu'à 1892. 3 octobre 1890, la France a mis en protectorat à Sidaomé. 19 décembre, la France prend yo à la bataille à Dogba. 4 novembre 1892, Alfred Dodds gagne l'armée à Ouabéanzin. Il est arrivé Chanda, Davoua, il pas déposé sa main. Il a dit comme ça, il a pillé à ses pouvoirs magiques et te connaître. D'avoué, tout la France était capable de chercher, il déjà savait qu'il était venu. Il a dit qu'on s'est fait à Ouabéanzin qui venait pour la France. D'avoué, il était en ripage. Et directement, la France va faire roi à Dahomey après Béanzin. Béanzin gardé pour négocier avec les Français, il joue une ambassade de l'Élysée, mais il n'y a pas où 15 janvier 1894, il a signé l'édition A. Qui était à 29 janvier 1894, qui a marqué bout à la guerre. Il a avant quoi, mais il a dit comme ça, c'est parce qu'il vit à parler par président Sadi Carnot, mais ça n'a pas jamais fait. Il peut que Jean Rouvine Dahomey. Tout personnage a vie à Ibarlo journal l'Europe non. Gouverneur Balo a proposé Béanzin exilé Martinique. Et c'est comme ça que ça arrivé. Il a exilé ou Béanzin Martinique avec 4 madame Aï, Etiumi, Sinokom, Menoussoué, avec Donno Koué. 3 filles Aï, Mekoulion, Potassi, avec Abopanou, et Tigasson Aï, Wanilo. Et interprète Pierre Fanon. Et Madame Aï Falégué. Yuka débarqué en 11 février 1894 au bord du bateau Yokrié le second. Yuka arrivé Martinique 30 mars 1894. Gouverneur Delfino Roussouvoyo, en l'homme de Martinique là pour voir ça. D'abord pour Yon, Ikaï Fort Taotenson et Timounaï Kaï a dans l'école les frères de l'instruction chrétienne de Poilern, Fort-France. Après ça, Ika fait l'école Saint-Pierre. Yupé Kavouei, Kamache en villa pour pomme ou bien fait commission aïe. Yuka mette yu à don villa, villa de Bosque. Wala pas jamais arrêté voyer président français lettre pour entrer à Kazaï. 1897, Ika ou voyer interprète aïe Fanon et madame aïe Dahomey. Wanilo, Kaivin interprète à papa aïe, le Adanja mort. La presse ka roule pour faire connaître Pena Wala. Et ça ka fait pression pour yu rapatrier Béanzin Dahomey. 1906, la France Kabaye doit retourner à Don Paquebot, Martinique, pour aller à Bordeaux. Il arrive en 17 avril 1906. Il y a une exposition coloniale Marseille, mais l'orgue des ministres à colonie là, pas qu'à prévoir mener Dahomey même pour y aller dangereux toujours là. L'endemain là, il est passé pour Maghreb, au bord, le jeune Pereira. Mais Béanzin, j'ai bien malade là. Là. Santé a été gâtée depuis Martinique. Albert Sao, ministre colonie, qui a installé Iblida. C'est là qu'il est mort, en 10 décembre 1906, et il a enterré le cimetière Saint-Jean, Alger. 1928, gouvernement français qui a permis à la famille Aï mener Sanaï Dahomey. C'est Wanilo qui a pillé à Sissa. Il vient en bachelier Alger et en avocat diplômé Bordeaux et Vepage. Il était là pour cérémonie à retour à Sanaï Papaï, Bénin, mais il est mort 6 mois après. Il a dit qu'on s'est empoisonné. Et Béanzin a envoyé une exposition coloniale. Il a dit aussi exposition universelle. On nous garde qu'à ça pour bon. Exposition universelle, c'est un zoo, mais à pas pour les animaux, mais pour les gens colonisés, les gens de l'Europe, tu as fait dans un grand village, montrer les gens de la civilisation à yo grand, les gens de la nation colonisée en bas de yo. C'est bien qui commençait tout de suite moi après l'esclavage. Hein, depuis 1851, l'Angleterre a déjà commencé. Et après ça, c'était Paris, Berlin, Londres,
qui veut dire à dans toute l'Europe tenir ces qualités spectaculaires ça aussi là moun l'Europe te ka mettre devant blaguer par rapport à moun y te ka pas OK moun qui te sorti en dehors qui c'est l'Asie qui c'est l'Afrique en tout cas dans colonie y te ka kembe fait moun comprendre ben misé sauvage là nous te ka pas des autres là à dans livre ben mio là nous ka fait mio là bazote yo ka danser bazote yo ka chanter bazote et tout ça yo fait c'est des sauvages. Ça tenait un objectif à enseignement, hein? C'est un montrage pour montrer balan ni sauvage par rapport à yo qui blanc, qui l'Europe et qui civilisé. Son genre pour justifier aussi pour colonisation là, dit yo te ka mené civilisation. D'ailleurs pour yo nous te ka ba moun parler qu'on sauvage, arrêter vrai mess yo te ni en pays à yo pour yo te fait qu'on sauvage. Gaïti bon plus loin, non seulement voilà voix exposition 1906 Marseille, donc en même temps c'est spectateur et en même temps sauvage, mais l'orgade, si nous faisons voix, l'été Martinique aussi, c'est si une espèce à exposition Rouvet il fait aussi Bassemouna. Et là, c'est une exposition pour nous aux Antilles, t'es fermé Ziaïou et fermé l'espoir. A si on l'idée à un grand Afrique, yon perdit. Parce que quand on montre yon, Mila, yon chaye Afrique l'an pied yon, et moula sa, yon la jol, yon ferme à dan fort, c'est un Afrique qui pète pour moi. Et donc, en même temps, on fait moun vwè, Afrique la sa pède, et en même temps, on fait yon comprendre, ben voilà, zon se moun ki pi civilisé ki se moula sa, et nous kaye vwè directement dans le film là, ki jan, yon met toutes ces images là sa, devant. Nous avons dans le deuxième morceau de la vidéo. Là. Et dans mes rêves, et c'est l'enfant vieille, t'es vêté, la face dans mes rêves. Oh, aïe, j'ai rêvé, oh, aïe, j'ai rêvé. Alors, ce qu'on fait en vêtissement, à d'un parti là, ça, nous avons dégâtillé le film là, depuis au commencement, jour comme bout, ça veut dire, sous vos opinions, on spoil, sous vos opinions, toute information en film là, puis si mes oreilles regardent, avant, en commentation, à regarder, et après ça, dévirer, regarder, dégâtillage en moi. Si l'on voit, vous écouter chanter là, ça qu'on fait, on voit tout l'esprit à ça, il y a besoin de faire comprendre en film là. Écoutez bien parole là. Fallait maintenant attendre les faits du journaliste. Adam Deschamps pensait qu'il valait mieux nous enfuir. Mais moi, je savais bien que je ne m'étais pas trompé, Wanilo. J'ai eu raison de me servir dans mon combat du pouvoir de l'écriture et de l'impact formidable des journaux. Merci. Merci de m'avoir laissé apprendre l'écriture. Que ça te serve pour le temps, Romé. C'est une des meilleures armes dont tu disposes. Les miennes m'ont conduit vers la haine et le sang. Le combat aurait-il changé? Non, c'est le champ de bataille qui a changé. Je me suis rendu compte que la parole et l'héritage des ancêtres n'apportent pas toujours toutes les réponses dont nous avons besoin. Il faut que nous apprenions à regarder le monde d'une autre manière. Il faut bien comprendre, oui, Zam Itenia avant, mené à dans sang et vers la haine. Mais au final, dis compte. Juge aussi là, yuka bise faire comprendre, c'est les lumières, c'est bitin, c'est l'écrit, c'est faire nous comprendre nous, c'est la loi. Yo toujours ni bitin à yo, l'armée à yo, tout bitin à yo, pareil, si encore. Donc, l'on voit yuka faire, voilà, ça pas aller comme ça, à si défaite militaire à y. Comme ça, ça, ça bizarre, ça bizarre, ça étrange. Parce, la haine a physique, il y a militaire toujours là. Même madame nouveau monde là ça, vous voyez? Destin, il y a senti menacé,
yo pa reroute se bitan la sa. Ou ka vwa sa veze yo. Donc yo ke fè yon jan diplomatik ki avan, yo ke gade bon tel pays, tel pays, tel pays, bitan bitan yo ke pale. Yo ke monte gon konglomera evè l'ONU, kaske bleu bitan yon sa sa yon ni a fè. Mi la gen la sa toujou la, se pou sa, monsou la sa yi tre potalan dan film la sa. Adon monsou la sa yi ka dezi, non selman, yi ka di kon sa la gen milite pa te ase, yi bizan rentre dan la rel a la gen a yo osi. Men an plis di sa, yi kan jan mal pale rita, yi kan jan mal pale ancestralite ya yi. Pou yi pa te ni ase a dan sa. C'est un nègre marron à moitié fou. Allez, sans trois d'ici. Foutez le camp. Non, non, n'avancez pas. Il peut se blesser. Kinon. Il demande comment vous vous appelez. Kinon. Béanzin et Djéré. Le monde porte l'œuf que la terre attendait. Béanzin Aïdjé arrivé. Voilà. L'Afrique là, c'est blanc, Caïd. Il dit que Béanzin Aïdjé est arrivé, tous les blancs vont mourir. Voilà. L'Afrique là, c'est blanc, Caïd. Vous êtes sûr que c'est un nègre marron? Béanzin Aïdjé est arrivé. C'est un de vos guerriers? Guerrier. C'était plus facile de marronner que de rester sur place dans les champs de Khan et d'affronter les blancs. Comment ont-ils pu en arriver là? Ils n'avaient pas de champ de bataille. Ils se cognaient contre la mer. Pourquoi vos guerriers ne se sont pas battus pour eux? Mais nous ne sommes pas des Zoulous. Que faisiez-vous de vos chaînes? Fallait rentrer dans sa tête. Il n'y a pas de chaînes dans les têtes. Scène là, ça y est, belle même. Parce que quand on a aux images en Agmaron là, Garo connaît Adam Béanzin en roi, qui l'a pour libérer yo, pour ici en espoir, ou qu'on voit sans vésio. Il va même qu'on voit Yokembe Béanzin, pour y Béanzin là. Eh bien, c'est blanc là qu'il faut en faire. Au suivant, qui donc est là pour représenter résistance à dans toute créolité là qui t'signe aux anciens temps là ça. Et yo jou kabao koudzie a anti la anlei, yo ka zou kon sa, pou yu sa pi facilite en bois marronné ki fè façade evè blanc à sibitation. Donc, diskou a anti la ki joli la la, ki joli a Béanzin, se zou kon sa, on marron son lâche. Voilà. Pis si mérité qu'a arrêté tout coup de fouet là pour montrer où t'es courage peut-être. Donc je vais quand nommer et voilà, yo quand nommer Wamakak. Plonni en l'eau mépris en bouche à yo pour un véritable négritide. Il ça pas coupé de l'esprit là ça malheureusement. Je croyais que vous ne parliez pas le français. Je parle le français. Mais un roi d'Aoméa ne s'adresse jamais directement à quelqu'un. Il n'est pas de ce monde. Et personne ne doit le voir manger, boire, rire ou pleurer. Sa parole ne devient humaine que par l'intermédiaire de son interprète. Mais c'est fini tout ça. Vous n'êtes plus roi. Et le Dahomey, c'est loin même. Non. Ce qui a été noué par la loi des ancêtres ne peut être dénoué que par la loi des ancêtres. Je compte sur vous pour ne révéler à personne que je parle cette langue. Et pourquoi? Parce qu'il faut toujours essayer de garder un avantage sur ses ennemis. Et c'est à moi que vous dites ça? Oui. Mais je ne suis pas de votre camp, moi. Vous êtes pourtant un noir, comme moi? Je ne suis pas africain. Vous êtes quoi? Je suis Justin Gloria, ça me suffit. Je suis Aïdjéré Béanzin, roi du Dahomey, fils de Dadaglélé, le lion des lions. Et je dispose des rites et des traditions de la terre du Dahomey. Et vous, qui êtes-vous vraiment? Et que détenez-vous? J'ai peut-être du sang africain, mais je ne suis pas africain. Vous êtes qui?
Vous êtes mon prisonnier, il faut pas oublier ça, hein. Alors n'employez plus ce ton-là avec moi. Vous avez raison. En vérité, j'aimerais que vous me racontiez l'histoire de ce pays. C'est là ça. Il y a un paquet de potentiels passés. Il y a toute l'idée qu'a représenté un ancien et un nouveau monde. Nous avons dit que l'ancien monde-là avait roi Béanzin, et un nouveau monde-là avait joli Haï qui sont entiers. Et entiers, là, quand vous avez dit que le monde a fini, ça a fini. Il faut revenir à la cité, au moins sans besoin. Nous avons dit vrai. Vous avez raison. En vérité, j'aimerais que vous me racontiez l'histoire de ce pays. C'est une sacrée histoire. Qui est le gardien de votre mémoire? Quelle mémoire? Qui est chargé de transmettre la parole et les rites des ancêtres? Mais nous ne sommes pas au Dahomey ici. Où sommes-nous alors? En Martinique? Non! Je veux dire, cette terre, elle appartient vraiment aux Blancs? Non. Non, ils ont débarqué. Comme au temps romain? C'est ça, comme au Dahomey si vous voulez. Et ils ont trouvé des Caraïbes, des Arawaks, des peuples rouges, des sauvages. Que sont devenus ces peuples? Moi, je suis gardien du fort, pas gardien des peuples. Dites-moi ce qui est arrivé à tous ces peuples. Bon, je ne sais pas, moi. Disparu. On les a massacrés. Oui. Qui était le roi? Qui est le gardien de leur mémoire? Vous avez de drôles d'espèces de questions, alors. Les Noirs, comme vous. Ils sont originaires d'où? Les Blancs ont fait venir des Africains pour travailler dans les champs de canne. La traite, l'esclavage. Des gens comme vous les vendaient par milliers. Un prisonnier de guerre peut se vendre ou se donner. Par millions. Des millions de personnes jetées dans les cales et traitées comme des chiens. On peut faire ça? Est-ce que c'est cela qui vous a conduit à penser que vous n'étiez plus africain? C'est ce qui est responsable de votre changement? Et votre interprète, qu'est-ce qui le change? Et votre fils Wanilo qui grandit dans la cour et ne parle même plus votre charabia? Qu'est-ce qui lui fait ça? Moi, je dis que ce pays défait l'ordre du monde. C'est là ça qu'a fait songer. Là, vous voyez, au mouton dit qu'il n'y a pas les vents, journaliste. Eh bien, journaliste, là, t'es qu'à dire comme ça. Je suis Martiniqui. What? J'ai vu que vous êtes un Afro-Caribéen. Vous n'êtes pas, vous êtes Martiniquais ou Guadeloupéen. Vous vous définissez plus comme un Afro-Caribéen que comme un Martiniquais ou un Guadeloupéen. Voilà, comme un Africain-Caribéen, effectivement. Ça, c'est embêtant. Comme ça, il n'y aura jamais de Martiniquais, quoi. Non, pas du tout, au contraire. Ça fait de la peine. Mais au contraire, mais pas du tout. Mais pas du tout. Vous savez, l'Australien, hein, oui. quand il dit qu'il est Australien, mais il fait toujours les mêmes fêtes qu'il avait en Angleterre. Oui, il a toujours les mêmes rites, il a toujours les mêmes noms, les mêmes traditions. Moi, je ne fais pas les mêmes fêtes qu'en Europe, je suis Martiniquais. Voilà. Je suis Martiniquais, beaucoup, je ne suis pas Afro-Caribéen, moi. Non, mais beaucoup d'art et de traditions de la Martinique viennent de l'Afrique, je l'ai démontré hier. Oui, mais je suis Martiniquais, je ne suis pas Afro-Caribéen, je suis Martiniquais. Être Martiniquais, le Martiniquais n'est pas sorti du jour au lendemain de la terre de la Martinique, il vient de quelque part. Oui, je suis Martiniquais. Il faut assumer. Je suis Martiniquais. Non, mais il faut assumer le quelque part d'où on vient, parce qu'il y a des. Attendez, les Français, ils vont pas dire je suis franc ou wisigoth, ils sont français. Mais non. Justement, le français le dit parce qu'il dit quoi? Vient d'une culture, il est porteur. Moi aussi, je suis d'une culture, mais je suis martiniquais. Mais vous n'êtes pas martiniquais. Martiniquais, ça veut dire quoi? Voilà, très bien. Mais être martiniquais, non, c'est-à-dire que, regardez, je vais vous dire une chose. Oui. Vous êtes un Africain caribéen de la Martinique. Non, je parce suis que la culture, martiniquais, mais non, parce que la culture du martiniquais n'a pas été inventée en Martinique. Ah bon, et pourquoi vous dites ça? Parce que la culture mais de la Martinique. Il n'y a pas de culture pure, comme il n'y a pas de race pure, je veux dire. Donc, je suis martiniquais, parce que je suis d'un peuple qui est géographiquement déterminé, qui est culturellement déterminé. Oui, mais c'est vous qui parlez de culture pure. Déterminé. Mais c'est vous qui parlez de culture. Moi, je ne parle pas de culture pure. Je dis que notre culture a des racines au niveau de l'Afrique. Forcément, ça ne m'empêche pas d'être martiniquais. Oui, donc il n'y a pas de culture pure. Je suis d'accord avec vous. Non, donc je peux être martiniquais, même si ma culture vient de partout. Je vous dis une chose. Je suis pour eux à tous les souffles du monde. Vous dis non, vous n'avez pas le droit de me dire que je suis pas martiniquais. Non, dites-le que vous êtes. C'est-à-dire que le projet politique, oui. C'est-à-dire le projet politique, oui. Mais sur le plan du patrimoine, oui. Non, le patrimoine a des racines.
Oui. Et quand on veut connaître l'originalité de la culture de la Martinique, on est obligé de voir les racines. Certainement, mais de tous les peuples, de toutes les civilisations, pas seulement martiniquais. Ça n'empêche pas aux gens de dire je suis anglais, je suis écossais, je suis français. Nous sommes martiniquais, nous sommes les seuls à être incapables de dire que les martiniquais. Non, mais l'américain, c'est non, mais c'est ça. Pas ça, l'américain qui est blanc. Oui. Il se définit comment? Il dit il est Waps. Non, il dit américain. Non, il dit les Waps. Non, bah ça c'est non dans un autre mais rapport. Mais si vous lui demandez, je suis américain, comme le nom américain, non, dira, je suis américain. L'américain, quand il a construit la Maison Blanche et compagnie, il a utilisé le patrimoine culturel de quoi? De l'Europe. Oui. C'est le patrimoine culturel de l'Europe qu'il a reconstruit chez lui. Non, on est d'accord. Ça ne l'empêche pas d'être américain. Mais le patrimoine culturel du Martiniquais, vous allez le prendre où? Ça n'empêche pas d'être américain. Non, mais le patrimoine culturel des Martiniquais, vous allez le prendre où? Je suis pour eux à tous les souffles du monde. Donc je le prends partout. C'est pas un problème. On ne peut pas bâtir une. Bien sûr que c'est comme ça que se bâtissent des cultures. Mais non, parce que les cultures ont des antécédents historiques. Il y a une signification. Quand on fait un mur comme ça, ce mur a une signification culturelle. Un mur chinois ne peut pas être comparé à un mur indien qui ne peut pas être comparé à un mur asiatique. Si nous, la culture martiniquaise existe, c'est évident. Quoi. Elle est composée par un apport indien, par un apport africain, par un apport européen. Et je suis martiniquais. Oui, mais dans quel cadre cet apport s'est géré? Peu importe le cadre. Certains étaient dans une maison où on était en train de couper de la canne. Je ne suis pas maître du cadre. Je suis martiniquais et moi je pense que je peux m'en sortir. Dans ce monde. Au contraire, je dis, mais effectivement, en étant martiniquais. Mais je vous dirais, vous irez plus vite en reconnaissant que vous êtes afro-caribéen. D'accord. Martiniquais. Excusez-moi, je suis martiniquais. Bon, mais c'est sur ce désaccord fondamental. D'accord. Je dirais, c'est un accord de façade, parce que moi, quand je vais vous démontrer par A plus B, justement, l'origine de la tradition de la Martinique, avec l'Afrique, les mêmes rites, les mêmes musiques, les mêmes airs, vous comprendrez pourquoi on ne peut pas dire que la Martinique est... Vous savez que vous êtes dangereux, quoi. Mais pas du tout. C'est parce que vous criez chez nous une véritable schizophrénie. Mais non, c'est parce que vous refusez de voir l'évidence. Mais je suis martiniquais, c'est évident, ça. Mais c'est évident, quand le martiniquais sort son cas, le cas n'a pas été inventé par le martiniquais. Le cas, il a bien une tradition, il vient bien de quelque part. Bien sûr. Donc, étudier l'histoire du cas nous emmène à étudier les origines du cas. Maintenant, quelle est la signification que nos ancêtres donnaient au cas? Quelle est la signification qu'on donne aujourd'hui? C'est ça qui grandit le martiniquais. C'est de connaître, c'est d'avoir sa culture générale sur sa culture. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, moi personnellement, c'est de regarder devant. De dire qu'il faut que je domine le monde d'aujourd'hui. Et moi, je crois que... Comment voulez dominer le monde d'aujourd'hui sans racines? On n'a jamais vu ça. Ces scènes-là, ça n'a qu'à faire songer au suivant. L'ancestralité et un métissage qu'il serait les policiers qui ont fait l'autre monde n'a d'accord. Il y a créé un autre monde. Mais il n'y a pas lui qui met à monde là ça, donc ça veut dire qui mon outil ni qui t'a. Et quand c'est pour ça, il n'est pas africain. Et pour lui, l'autre là qui a voté en nègre. Donc pour lui, il sont aussi africain. D'après l'histoire là, il sont aussi africain. Pour lui, il est en nègre, il éveille au moment. Et bien, quand il fait un plan, puis il sont aussi là. Oh non. Bon. Entier, là, j'ai appris. Il ne peut pas sortir dans ça comme ça. Il s'est joué à Martinique, en même temps, il s'est joué à Bianzin, on va voir. Il a fermé là, il est là. Identité africaine, là, il était clair. D'instant où t'es nègre, ou t'es africain. Mais avec le nouveau monde de la Saoudi, là, yo, Vinche, nous, pas Kalabatou, en d'autre côté, mélangé, yo, avec nous pas ça, vous dites qu'à nous y encore, et c'est ça, c'est ça qu'a représenté. Il casse comme ça, il pas africain. Lui-même, quand il répondait avec un nom, you buy. Justin Gloria, mais au sein, vous pouvez s'inter, Siri Saintin, après non, là, ça a été ni l'envoyé Afrique. Ça veut dire tout travail là, ça a fait assez nous, qu'à démouler nous, qu'à voir, il n'y a pas même ça dit qu'il mouni encore, s'il n'y a pas non matricule à prisonnier de guerre africain à cette colonie là. Il a posé une bonne question, hein. Qui êtes-vous vraiment et que détenez-vous? Au suivant, et ça, c'est une question claire, parce que lui, l'envoyé est bien présenté. Il présentait par rapport à ancestralité. Il présentait par rapport à toutes ancêtres taille, la nazi, bidon comme ça, au moment. Il dit, c'est ça qui a régi, c'est ça qui a mené par rapport à Waiwa, là, il est. Et l'autre là, il a vraiment dit, mais qui êtes-vous? Et s'il n'y a pas de nos matricules prisonniers de guerre, il ne peut pas dire rien. Il a vraiment dit, Kaouni, il ne peut pas dire rien, au moment. Parce que pas ni à qui t'a ici cette habitation, c'est qu'on s'habite là. Ça a fait, il a dit comme ça, vous êtes mon prisonnier, mais lui-même, il s'est emprisonné cette habitation là, ça. Mais au cas où il doit, il peut faire prisonnier en d'autres mondes. Vous voyez, il a qu'un bien en institution, il a qu'un bien en wall, il a qu'un bien en place. Et c'est ça, nous, tout qu'a fait ici, dans. Pas ni à qui t'en nous, il a demandé qu'il y ait ni, pour payer qu'il y ait ni. On l'a demandé, qui est le gardien de votre mémoire?
Ça veut dire, voilà, ils savent, là, ils sortent, Tini Griot, il a pour raconter histoire vie, histoire famille, histoire ancêtre, génération à génération avant. Ou quand vous voyez, c'est pour ça que vous avez une tradition, nous sommes tradition orale au commencement. Si là, il a fait état civil là, ça moun ka parler, ouais. Yo ka mande, mais qui moun ka kebe mémoire là pour zot? Et entier là, mais qui mémoire? Un temple? Non, non, c'est une bibliothèque. La bibliothèque Selcher. Notre mémoire, comme vous dites. Et ça veut dire quoi, Selcher? C'est un français. Un des rares qui ont toujours exigé l'abolition immédiate de l'esclavage. Pour nous, c'est celui qui nous a donné la liberté. Comment peut-on donner la liberté? Ben, il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Parce que nous, ils mettent nous dans l'oubli. Ils font nous dévider pour remplir nous avec eux. Qu'il tient à eux, l'esprit à eux, l'identité à eux, papier à eux, tout bit à eux. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas répondre. Pas ni mémoire. Réponse entière là pour parler à ces mémoires, ces bibliothèques, Selcher. Ça, ils comprennent, comprennent. Il y a bizarre pourquoi tellement mis ces malades métis là, ils même savent garder négresse là encore. Ou quoi voici, et même là il y a quand tu ça comme ça, ça symbolique, ça veut dire ils pas savent garder l'Afrique encore, tu bon encore. Il y a quand fait paraître ton esprit aussi, aussi là, misien misi, il cap pète combat là aussi en deuxième fois par rapport en fait à créolité là, il malade est là quoi. Il pas même savent garder en forme africaine encore ou quoi voici en vésu. Il malada créole là. Et ça, son bitin, fait nous déchouquer ça, fait nous parler assez ça. Tu penses au fou que nous avons rencontré ou à la femme? Mitpe, Tadou Nodea, Africa, oui, Mitpe. Attendez, John dit que bientôt nous serons tous comme ça. Il dit qu'il faut nous enfuir d'ici. Ben oui, mais non, bon. Bienvenue en Martinique, monsieur. Symboliquement, en forme, c'est en tête. Ça veut dire, si pas savoir l'Afrique encore, il y a des liens qui. Regina. Wanilo, elle coule dans mes veines comme le Dahomey. Le Dahomey, c'est nous. Pas une créole. Comment se battre si le maître du monde lui-même ramène l'étranger? Ton âme est prisonnière de ce qui n'est pas, de ce qui ne sera jamais le Dahomey. Cette femme ne doit pas venir ici. Wanilo, ne t'avise plus de considérer le Dahomey comme une calebasse close. Tu ne dois jamais appliquer au monde le schéma sectaire qui a constamment été utilisé par les Blancs. La recette était bonne. Ils ont gagné. Mais ils ne gagneront pas toujours. Je protégerai le Dahomey. Commence par protéger le Dahomey de cette haine qui t'aveugle, Wanilo. Je le protégerai de toi. Mais Hansou,
You know. Wanilo quand même, café au voie. Malgré au voie l'école, malgré au voie l'incision et l'instruction, il y a gens qui ont habité là quand même. Pourri, l'ovo au voie, papa et Kavin mené criol là, elle ses familles, là, il t'y a, il j'a t'y a. Pourri, c'est un risque. Il y a voie symboliquement et papa et Kala habité là pour qu'on voie. Et en bout d'affima, au cas voie, tout ça, il y a envie de faire comprendre. Parti, ça veut dire li voilà you ka fait parler pour dire comme ça il admet si ped mais il toujours ka montrer la dignité l'espoir en homme à dans portrait à Negmaron là mais Negmaron là depuis au commencement il ka montrer comme si il presse fou il ka courir mais ah il a géré jour la nuit là il te ka hélé il a géré ka chouer tout c'est blanc géré et ou ka voir voilà. C'est emmerdé avec Negmaron là. Il n'a pas même arrivé à dormir. Et en bout, il a montré aux images à Negmaron là qui tient espoir toujours dans Wala. Alors qu'il lit Wala, j'admets qu'il pède. Ah, dans le film là. Ou souvent, Negmaron là qui dit comme ça, tu m'abandonnes. Merci, Aïchere! Tu m'abandonnes! Et non seulement il a abandonné d'avoir, il a sorti Martinique pour aller passer l'Afrique, mais en plus, il a abandonné par rapport à ça, il a dit, nous Gaëtan. Avec Regina, le don Romé s'était élargi en moi. J'avais cessé d'en être prisonnier. Toutes les terres, toutes les cultures, toutes les traditions sont aujourd'hui ouvertes. Tout cela se touche désormais. Tu possèdes un pays, une culture, des ancêtres qu'il te faut enrichir de la diversité préservée du monde. Voilà ce que j'ai compris dans ce bain de sang, de haine et de souffrance. Voilà ce que m'a laissé la brûlure de cet amour. J'ai brûlé comme savane, les couches lassantes, tout fait rêver. Animanié, poussé span, un goulant mort qui embouche. Nous voyons douleur qu'à songer. Yo ka fè wala pale, on wa ki sorti pèd royoma yon, on wa ki yo fè mi Martinique, hein. Et yo ka fè pale pou di kon sa jodi la, tout tradition ouvert, tout peuple ouvert, eh ben oui, eh ben, non, enfin, au bout de moment, faut arrêter. Parce que te a y konki, yo gani te a y, y pe pa ka pale kon sa, yo ka domini te a y, yo ka domini pe pa y, y pe pa ka pale kon sa, c'est impossible. Tout cela se touche, ça veut dire, y ka pale assi la mondialisation à un moment là ça. Il peut admettre la mondialisation, il peut admettre bon d'un pays à ouvert, à présent toute tradition qu'a mélangé, tout mita qu'a mélangé, il j'a comprenant, il j'a qu'a fait comprendre, il comprenant mita dans la mondialisation qui a ouvert là, nouveau monde là qui a ouvert là. Mais au final, j'y compte, c'est yo qui a parlé pour nous. Yo qui a fait nous parler en place à yo, mais il n'y a pas nous qui a parlé là. Toute tête, toute tradition, toute kilti, j'en dis là ouvert. Mais c'est bon d'un pays à écrit ouvert, ils ont déporté de l'autre côté. Comment ça veut dire, l'envoyé dit ça, bon, la France pas ouvert. La France pour même recevoir pont tellement plein pour mener Arabes à Kazayo, Neg, Kontan, Bimidom, ou ben pendant les 30 glorieuses. Donc ça veut dire, lui, la France, c'est lui qui a porté, qui a pris tout côté. Donc c'est un discours qui n'est pas ensemble, nous. Désolé, ça c'est un discours, j'ai quasiment ça sauvé. Alors, c'est pourquoi c'est un film pour moi qui n'est pas représenté royauté à Béanzin, et puis se présenter contre Tibourg. Un jeune bourg qui malade en créole. Et depuis au commencement, jour qu'on bout, il aura servi avec Mme Moulassa pour faire comprendre, ben, il d'accord, il pète combat là, il d'accord à présent, bon, d'un pays a ouvert, il d'accord tout bitin. C'est yo et yo, c'est discours à yo. C'est pour ça que j'ai fait un autre contenu pour nous, puis ça venir en discours, dit nous, pour nous, monsieur Savezio, pour nous parler à nous-mêmes d'après vision, nous couler en nous, et nous là pour ça.
Ou sa famille, en respire ou te content vidéo là ça, il était à goua. Voyez y bon moun qui te d'accord voli, qui sa si WhatsApp, Facebook ou pemite yon statut ou pemite yon story ou Instagram aussi. J'en connais de famille. Nous ensemble. Boom bam.